Le département de l'Essonne n'est pas épargné par la prostitution. Des jeunes filles au bord des routes, souvent étrangères, parfois sans papier. C'est devant ce constat que Maud Olivier souhaite se battre. Elle martèle depuis plusieurs mois que cette prostitution-là n'est pas choisie. Maud Olivier, députée et conseillère générale en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, va défendre à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à pénaliser les clients. Elle qui a toujours parlé de la prostitution comme d'une violence faite aux femmes. C'est pour lutter contre l'idée reçue que c'est parce qu'elles le veulent bien, que c'est un métier, que c'est le plus vieux métier du monde, que, enfin, des choses qui banalisent complètement le fait que ce soit une violence. On fait croire que, donc encore une fois, elles gagnent beaucoup d'argent, elles le veulent bien, elles le font par plaisir, etc. Si la loi passe, les clients seront passibles d'une amende de 1 500 €, doublée en cas de récidive. Maud Olivier souhaitait aller plus loin et prévoir de la prison. Elle a été réfrénée par son groupe parlementaire. Pour elle, la prostitution, de toute façon, doit être abolie.